Voilà, c'est une marche assez dense, hein, je le reconnais. Donc à travers ces différents partages, et dans le désir, hein, de pouvoir aussi vous faire découvrir, hein, ce personnage sur lequel on a projeté beaucoup d'étiquettes ou parfois de choses un peu péjoratives, parfois même, hein, sur Saint-Paul, à travers beaucoup de choses sur lesquelles on s'est crispé. Et en fait, on découvre, chemin faisant, un homme habité de Dieu. C'est en ce sens-là où il vient nous rejoindre tellement fort, habité de la présence, et nous invitant vraiment à travers sa parole à diminuer pour que le Christ grandisse en nous. Et comment, ébloui à travers cette expérience unique, on le rappelait régulièrement ces derniers partages, en fait, il y a la seule conversion, en fait, dont nous célébrons la fête, hein, que nous solennisons dans le cycle liturgique, c'est celle de Saint-Paul. Le 25 janvier, il n'y a pas d'autre conversion à ma connaissance qui soit honorée comme celle de Saint-Paul, comme si, à travers cette conversion, c'était d'honorer le travail bouleversant de l'œuvre de l'Esprit-Saint qui fait qu'un être qui était presque possédé par sa rage, par sa colère, par sa violence, à un moment donné dans sa vie, voilà, meurtrier, enfin vraiment, hein, il y a du sang sur ses mains, en fait, hein, de Saint-Paul. Cet homme, donc, en passe à Damas d'aller rejoindre et continuer son œuvre de destruction, va être comme mis à terre, effondré, un grand effondrement brutal, en quelques secondes, l'œuvre de Dieu, absolue. Et saint Paul, quand il dit que ce n'est pas la loi qui sauve, mais c'est la présence, c'est de quoi il parle. Il ne fait que déployer dans son enseignement et ses épîtres ce qu'il a vécu en plein dans son expérience de retournement. Ce n'est pas la loi qui sauve, parce que la loi, il l'a démontré, la loi mosaïque, la loi telle qu'elle était interprétée par le peuple religieux de l'époque, a conduit Jésus à la croix. Hein, c'est au nom de la loi que Jésus, au nom de la loi judaïque, hein, mal interprétée, c'est clair, mais au nom de la loi que Jésus a été crucifié. Donc soit la loi est juste, et donc le Christ est un mystificateur, et donc du coup, pourquoi avoir reçu Shaoul, Shaoul, pourquoi me persécutes-tu, cette expérience vibrante d'une présence, ou c'est parce que la loi est erronée, à un moment donné conduit à l'erreur, et que la réalité, c'est l'expérience d'une présence, hein, et c'est bien sûr celle-ci que saint Paul convertit, je dirais, dans sa chair, donc, illuminé dans son intelligence, hein, et brûlé dans son cœur, cette brûlure d'amour, hein, qui désormais l'habite. Hein. Donc il n'aura de cesse que de témoigner maintenant avec toutes les tribulations que l'on connaît. Hein. Donc là, on le rejoint, si vous le voulez, dans il me semble, effectivement, le déploiement. En supposant que cette révélation, cette conversion, cette apocalypse, littéralement, cette levée de voile, hein, qui le plonge dans le réel, hein, il faut qu'il passe pendant 3 jours dans un état de cécité absolue. Plus rien à voir, tout s'est effondré pour qu'un nouvel homme apparaisse à l'issue de cela, avec cette vision qui a été retrouvée, hein, donc l'intervention d'un des disciples de Jésus, Ananias, à Damas, hein, qui lui pose les mains et que Paul voit à nouveau extérieurement, mais surtout, c'est l'homme transformé intérieurement. Mon Seigneur et mon Dieu, et en Christ, hein, donc cette folie d'amour, moi je trouve que Paul nous conduit là. Dans cet oubli de soi, cette folie d'amour dans lequel il nous baigne, hein, chemin faisant. Donc 34, nous sommes là sans doute en 60-62, hein, donc on ne connaît rien de la mort de Paul. Hein, on l'abordera la semaine prochaine, c'est très mystérieux. Les actes des apôtres terminent sur cette remarque, hein, où Paul va être donc pendant 2 ans à Rome. Certains émettront l'hypothèse que Paul a réussi à convaincre le prétoire à Rome, et donc il va repartir sur les chemins de l'évangélisation, et il y aura une deuxième captivité et il mourra plus tard. On ne sait pas,
On ne sait pas. Bon, certaines hypothèses le font aussi mourir en 60, 62, 62 finalement, à la sortie de sa captivité. Donc là, avec si les épîtres aux Colossiens et surtout Éphésiens ont été écrites, là on reçoit le testament, on pourrait dire, terminal hein, de Paul. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que 30 ans, hein, une pensée, une expérience qui va s'intégrer, se déployer, un peu comme un baptême, hein, notre baptême, on reçoit une plénitude lors du baptême, mais on ne comprend pas, on n'entend pas, on n'est pas capable de s'approprier l'expérience. Et il nous faut une vie sacramentelle, une vie en Église, pour que chemin faisant, tout ce qui a été déposé de manière pleine au baptême fleurisse, se déploie, et que progressivement nous entendions l'illumination ou le mystère caché avant les siècles. C'est ce que Paul hein, vit sans doute si on a cette expérience. Donc voilà, simplement vous rappeler ce texte. On avait clôturé tout à l'heure, puis on va reprendre, proposer un chemin là maintenant, puis avant de faire quelque chose de plus interactif hein, sur notre journée, et retenir certains aspects essentiels de votre point de vue aussi. Et peut-être clôturer donc avec cette épître aux Colossiens, donc c'est la 9e épître, 6 épîtres de saint Paul libres dans les routes, sur les routes, et 4 épîtres de saint Paul, il est enchaîné et en même temps libre dans son cœur, et il témoigne, hein, et il transmet l'information à différentes communautés. Philippiens, Philémon, mais ouverte à toutes les communautés, et Colossiens, hein, qu'on aborde donc aujourd'hui. Et donc on avait rappelé Colossiens, cet hymne qui est vraiment, on pourrait dire l'élément central hein, de cette épître de Colossiens, le trésor de cette épître. Il y en a d'autres, on va voir en tout cas ce grand moment. Hein, donc, il nous a arrachés donc là, au pouvoir des ténèbres. Et donc là, je reprends donc chapitre 1, versets 15 à 20. Colossiens, c'est le trésor, le cœur. Il est l'image du Dieu invisible, premier-né de la créature, de toute créature. Hein, donc c'est une hymne hein, que Paul reprend. Car en lui, tout a été créé, dans les cieux, sur la terre, être visible, invisible, trône, souveraineté, autorité, pouvoir, hein, toutes les hiérarchies angéliques qui sont rappelées, tout est créé par lui et pour lui, et il est lui par-devant tout, tout est maintenu en lui. Dimension cosmique. Voilà. Hein, il est l'image du Dieu véritable, invisible, premier-né de toute créature. Donc toute la dimension cosmique, et après apparaît le lien à l'Église, il est lui la tête du corps qui est l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin de tenir en tout, lui, le premier rang, car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute la plénitude et de tout réconcilier par lui et pour lui, et sur la terre et dans les cieux, ayant établi la paix par le sang de sa croix. Hein, donc là, on a vraiment la dimension à la fois cosmique, puis après plus en lien avec la notion de l'Église. Ce qui est intéressant, il est l'image du Dieu invisible. Vous savez, là, le mot qui est là en grec, le mot image, hein, c'est kat eikona theos. Théo, tétéou. Kat eikona theos. C'est l'icône. Le Fils est l'icône du Père, du Dieu invisible. Toute la théologie de l'icône qui est là. Hein, l'icône comme une fenêtre, rappelez-vous. Transparente, une fenêtre qui donne accès à un au-delà de lumière. Et là, ce que dit Paul, c'est que le Christ est l'icône du Dieu invisible. En lien avec la théologie johannique, là, moi, je trouve que cet hymne me plonge ou nous plonge quelque part dans le climat johannique, ce climat mystique, ce climat mystérieux, ce climat, rappelez-vous, qui me voit le Père. Là, on est vraiment en lien avec cette parole qu'on retrouve dans l'évangile de Jean, lorsque Philippe dit, mais où vas-tu et qui est le Père? Mais qui m'a vu a vu le Père? Qui me voit le Père? Je suis l'icône du Père. Qui me voit, à travers le visage et la forme qui est la mienne, voit le Père. Le Père m'envoie et je le manifeste comme ce visage. Qui me voit, voit le Père. Ne vous arrêtez pas à moi. Ne faites pas de moi une idole. Mais rejoignez le Père à travers moi. C'est vraiment cette invitation au passage. Donc, il est l'image, l'icône du Dieu invisible.
toute la théologie de l'icône, qui est l'icône, qui fait qu'on regarde une icône, mais on est regardé par l'icône. Hein, que on regarde Jésus, mais à travers Jésus, on est regardé par le Père, qui à travers Jésus se manifeste et nous regarde, et nous fait exister, nous incarne, nous met en présence, nous densifie. Donc c'est toute cette perspective de l'icône premier-né, hein, donc littéralement le... Alors, quand on parle de l'image, hein, donc du Dieu invisible, c'est de se rappeler aussi d'ailleurs tout cela que si le Christ Jésus est l'icône du Père, chacun d'entre nous maintenant, et on va l'approfondir un peu tout à l'heure avec les Colossiens, on va être invité à devenir l'icône du Christ. C'est-à-dire que c'est comme si à travers chacun d'entre nous, là où Paul aimerait nous conduire, dans ce lieu de l'Église, c'est que nous sommes en Église pour que les uns par les autres, c'est toute la force du corps dont on a tellement peu conscience encore aujourd'hui, mais c'était très prégnant, en tout cas c'était pédagogiquement proclamé à l'époque, c'est comment les uns avec les autres, chacun les uns par les autres, on va s'aider à révéler l'avènement du « je suis », du Christ en chacun d'entre nous, de manière particulière, singulière, à travers nos charismes, mais que les uns par les autres, les uns avec les autres, on puisse s'éveiller, s'aider à révéler le Christ intérieur. Et nous devenons du coup des icônes, nous, du Christ, qui lui-même est l'icône du Père. Donc quand on est vraiment dans cette idée, dans l'Esprit Saint, hein, c'est plus toi que je regarde, c'est le Christ en toi. Parce que c'est en moi le Christ qui te regarde. Hein, espèce de mise en transparence de la matière où, dans ces égaux opacifiés, on reste vraiment dans quelque chose qui est encore fragmenté, fracturé. On a une vision tellement partielle des choses. Tout chemin s'est libéré, c'est ouvrir l'espace. Transparence du regard. Quel chemin et quelle patience, hein, quelle patience. Dans tous les lieux de déconstruction, de ce qu'on n'a pas de projeter, voilà, tout ce travail de déconstruction, hein, de transparence qui est là. Premier-né de toutes les créatures, donc là ce mot prototokos, hein, qu'on retrouve en grec, hein, c'est comme si on invitait, ce qui veut dire, hein, que le Christ est né avant toute créature, hein, dont il est le créateur, hein, c'est-à-dire qu'il est engendré, non pas créé, hein, c'est là où il y a peut-être une confusion dans le texte. Hein, il est le premier-né, donc celui qui vient avant. Hein, donc vraiment, il est l'incréé divin, et en même temps, il est né d'une femme, hein, donc marquée sous la loi, comme dira Paul aux Galates, donc avec la présence de Jésus-Christ. Et là, car en lui, tout a été créé, dans les cieux, sur la terre. Donc vraiment, on signifie là que c'est avec lui et en lui que tout a été créé, présence invisible et visible, le Logos, le Verbe créateur, l'une des personnes de la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. Hein? Donc, trône, souveraineté, autorité, tout est créé par lui, il est par devant tout, et tout est maintenu en lui. Hein, non? Là, il y a aussi une approche intéressante pour nous, c'est de se rappeler que le Logos, le Verbe, hein, tel qu'il était compris, on va dire de la philosophie grecque, hein, à partir d'Héraclite, c'est la notion d'un principe divin qui maintient tous les êtres ensemble. Cette dimension de lien, de soutien de l'univers. Hein, ce que rappelle le prologue de Saint Jean. Hein, au commencement, dans le principe et le verbe, le logos, il est Dieu, tourné vers Dieu. Tout existe par lui, en lui, sans lui, rien. Tout existe par lui. Il est le fondement de toute chose, et sans lui, sans le principe, rien n'existe. Et c'est lui qui fait exister toute chose. C'est lui qui nous relie, là, en ce moment, qui fait que ce que je peux parler peut être entendu, audible. Voilà, c'est le lien qui permet, de la conscience, qui permet que toute chose soit reliée. Hein? Tout est maintenu en lui. Hein? Et donc, après, il est, lui, la tête du corps, hein, qui est l'Église. Et donc, nous rappelions par une image toute simple. Hein? Donc là, c'est peut-être des mots très désincarné pour certains d'entre nous, même s'il s'agit bien d'un corps. Encore une fois, si nous entrons dans l'expérience que l'Église, comme un corps d'humanité formé de toutes les cellules vivantes que sont les êtres humains, si nous le ramenons maintenant à une expérience intérieure, que nous sommes ce corps aussi, formé de milliards de cellules,
qui chacune ont une conscience particulière, hein, avec des organes, hein, le foie, le cœur, enfin, certains y voient aussi quelque chose d'une organisation ainsi. Et du coup, dans notre propre monde intérieur, avec toute cette micro-création que nous sommes, nous rappellent les anciens, qui est la tête de ce corps que nous sommes? À qui on donne le principe? C'est pour ça qu'il y a une expérience très concrète pour nous. Quel est le chef du corps que nous sommes? À qui nous donnons autorité et pouvoir? Et malheureusement, aujourd'hui, il y a un constat qui est là, c'est que si c'était le Christ, on ne serait pas dans l'état où on serait aujourd'hui. Hein, si c'est vraiment le Christ qui était la tête et le chef de notre humanité. Il l'est, bien sûr. Mais en fait, à qui on donne pouvoir? C'est encore une fois beaucoup à ces forces de peur, de mort, de finitude. Donc il y a un vrai choix là. À qui on donne le pouvoir et à qui on donne autorité? À qui on donne la place de chef? À qui on donne la place de celui qui trône dans notre cœur? C'est toute l'histoire du passage de l'homme, du vieil homme à l'homme nouveau, hein, qui est rappelé là finalement en creux. Hein, et la tête, vraiment, c'est ça. Hein, c'est vraiment la notion peut-être très concrète pour nous dans notre vie personnelle. Mais du coup, redéployons-le à l'extérieur dans la dimension du corps collectif. Quel est le chef et le principe aussi de ce corps qu'est l'Église? À qui, dans nos difficultés, nous donnons pouvoir, autorité? Encore une fois, toujours. Hein, voilà, Christ au milieu de nous, en Christ. La parole de Paul est sans arrêt, il martèle sans arrêt. Christ, 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 il n'y a que Christ. En lui, avec lui, par lui, pour lui. C'est un hymne à l'amour et à la plénitude du Christ. C'est Dieu fait homme, il est brûlé, baigné là-dedans, Paul. Hein, et donc du coup... afin de tenir en tout, lui, le premier rang, de faire habiter en lui toute la plénitude, toujours pareil, ce plérôme, cette plénitude de la présence qui est là en Christ, hein, Dieu fait homme, plénitude de la présence divine, et de tout réconcilier par lui et pour lui, sur la terre, sur les cieux. Donc là, on est vraiment dans ce que, nous l'appelons tout à l'heure, Maxime le Confesseur, au 7e siècle, nommera le Christ comme archétype de la synthèse. Dieu, homme, lumière, matière, un principe masculin, un principe féminin, toutes les anges, les mondes minéral, végétal, animal, humain, tout est rassemblé, intégré. C'est l'archétype de la synthèse et la présence donc de cette nature divine qui est là, qui couronne. Vrai Dieu, vrai homme, sans confusion, sans séparation. L'archétype de la synthèse. Là, on plonge vraiment dans un hymne christologique, très fort, hein, comme une quintessence que nous offre Paul, hein, à travers Philippiens et Colossiens. C'est des hymnes qui vont beaucoup fonder, hein, tous les travaux et l'effort intellectuel des premiers pères dans les conciles. Et toujours là, à la fin, tout ceci a été ayant établi la paix par le sang de sa croix. C'est là, sur la croix. Encore et encore, comme en creux le centre vibrant, palpitant de la théologie de saint Paul. C'est sur la croix et par sa résurrection, hein, mort-résurrection, eh bien, qu'il va nous conduire, qu'il va nous donner, qu'il va nous établir la paix, la shalom. Littéralement, en hébreu, rappelez-vous, shalom, c'est une question d'entièreté. Tout a été sauvé, tout a été réconcilié, tout a été assumé. Et c'est vraiment donc ce don que le Christ acquiert pour nous. Par qui ayant revêtu l'humanité, ça veut dire que désormais son chemin rejoint et concerne tous les êtres humains que nous sommes, recouverts de peau, de la même humanité que lui. Donc tout ce qu'il a conquis pour nous et acquis, c'est aussi pour chacun d'entre nous. Hein, donc c'est immense, c'est un hymne immense, on pourrait dire, hein, donc à travers... cette dimension de cette paix universelle. Hein, donc c'est vraiment ce texte majeur dans Colossiens. Et donc, terminons, en tout cas, poursuivons quelques versets. Donc il y a quatre, on va dire quelques aspects. Donc saint Paul continue, toujours en écrivant aux Colossiens, « Et vous qui autrefois étiez étrangers, » et ça il parle aussi à nous, « vous dont les œuvres mauvaises manifestait l'hostilité profonde avec le Seigneur, on pourrait dire en tout cas
des lieux non évangélisés de nous-mêmes, qui étaient enténébrés, crispés, enfermés en enfer, pris au piège de toutes ces forces de mort. Hein, c'est ce qu'il veut le dire. Voilà que maintenant, Dieu vous a réconcilié dans le corps périssable de son Fils, par sa mort, pour vous faire paraître devant les saints irréprochables et inattaquables. Mais il faut que par la foi, la confiance, vous teniez solide et ferme, sans vous laisser déporter hors de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. Donc là, on sent que, de nouveau, à Colosse, Paul met en garde hein, contre des discours qui pourraient, de nouveau, nous faire sortir de la foi profonde et salvatrice en Christ. Donc là, il continue, hein, des paroles pour nous aussi. « Je trouve maintenant ma joie dans les souffrances que j'endure. » Ça, c'est étonnant, hein, cette phrase. Hein. « Pour vous, et ce qui manque aux détresses du Christ, je l'achève dans ma chair en faveur de son corps qui est l'Église. » Parole qui n'est pas toujours évidente à entendre. Hein. Il ne faudrait pas imaginer que parce que je souffre, c'est joyeux, etc. Donc, ce que dit saint Paul, comme il le dira, comme d'ailleurs dira le Christ à Gethsémani, « Si cette coupe, si Seigneur, cette coupe doit s'éloigner de moi, que cette coupe s'éloigne de moi. Hein, donc, on ne va pas en rajouter de la souffrance. Mais par contre, ce que j'ai à porter comme souffrance, je dis oui. Je ne peux pas éviter. Elle m'est donnée, je l'intègre. Et finalement, je pourrais dire que je ne la subis pas, je décide de la prendre en main, de la choisir. Et finalement, diront certains, c'est comme si je décidais, comme le Christ sur la croix meurt, et vit la croix, hein, non pas ma vie, on ne me la prend pas, c'est moi qui la donne. C'est comme s'il y a un moment dans notre vie où, plutôt que d'être victime et de subir les événements, ce que je vis dans mon corps, dans ma chair, je le prends. Et c'est comme si avec le Christ, l'œuvre de la croix que lui a vécue en plénitude, elle se poursuivait dans chacune des cellules du corps que constitue l'Église. Et qu'à travers les tribulations qui me sont données de vivre, c'est comme si c'était le prolongement de la croix du Christ en chacun d'entre nous. Dans une forme de solidarité avec le désordre du monde. Et où là, on a cette espèce de logique étonnante où finalement, on peut dire qu'à la fois, nous portons la croix du Christ à travers les tribulations qui sont les nôtres, en même temps, le Christ aussi porte notre croix. C'est là où il y aura un moment donné où comment rendre plus léger la croix que nous portons à travers les maladies, à travers les souffrances, les arrachements, toutes les tribulations qui sont les nôtres, c'est d'entendre que ce n'est pas simplement nous qui portons la croix du Christ et on la subit un peu en disant « mais quand même, etc. » Non, on l'a choisi, donc là il y a quelque chose d'intéressant comme un chemin, où je redeviens sujet et ce qui est là, je le prends pour en faire un chemin de transfiguration, un chemin de liberté. Et là, le Christ m'aide. Il m'aide à porter ma croix. Je porte sa croix et il porte la croix qu'il m'a donnée. Dans cette aide bouleversante, mystérieuse, d'un amour qui est là. Je ne suis pas tout seul au cœur même de ce que je peux porter. Même si parfois j'ai l'impression que je peux désespérer. N'oublions jamais que le Christ porte notre croix. Mais à condition aussi de pouvoir lui demander et de l'inviter. Hein, parce que souvent aussi, on peut à la fois se rebeller contre la croix qui est la nôtre et en même temps ne pas demander l'aide que, voilà, que la croix soit portée par le Christ et puis aussi parfois par les frères et sœurs tout proches qui peuvent nous aider à alléger la croix. Hein, rappelez-vous la présence de Simon de Cyrène sur le chemin de croix de Jésus. On demande à un être humain d'aider Jésus à porter sa croix. Donc pour nous, c'est aussi important parfois de demander quand la croix paraît trop lourde aux frères et sœurs, tout proches, aidez-moi par la prière, simplement par votre silence parfois, par votre parole, par votre présence fraternelle, de m'aider à porter la croix qui est la mienne. Je ne me dédie pas, mais je vous demande par moment de m'aider. Et ça c'est vraiment le sens de l'Église aussi, de s'aider les uns les autres, hein, à porter ces croix qui sont les nôtres. Donc, voilà, et donc d'achever. Et donc là, achever, donc là, j'en suis devenu le ministre en vertu de la charge que Dieu
m'a confié à votre égard. Elle a donc achevé l'annonce de la parole de Dieu, le mystère tenu caché tout au long des âges et que Dieu a manifesté maintenant à ses saints. On a l'impression que ce mystère que Dieu a tenu caché à travers ce que saint Paul nous montre à voir, c'est est en train de se révéler, de se dévoiler. Il est vraiment le... Voilà, il a voulu leur faire connaître quelles sont les richesses et la gloire de ce mystère parmi les nations, Christ au milieu de vous. Donc c'est le but de mon labeur, du combat mené avec sa force qui agit puissamment en moi. Voilà, je veux en effet que vous sachiez quel rude combat je mène pour vous, pour ceux de Laodicée, donc qui est une ville proche également en Asie mineure, et pour tant d'autres qui ne m'ont jamais vu personnellement. Donc on sent qu'il s'adresse à des communautés que Paul n'a pas forcément visitées. Je veux qu'ainsi leur cœur soit encouragé et qu'étroitement, unis dans l'amour, ils accèdent en toute sa richesse à la plénitude de l'intelligence, à la connaissance du mystère de Dieu. Je vous dis cela pour que personne ne vous abuse par de beaux discours. Sans doute, je suis absent de corps, mais d'esprit, je suis avec vous. Restez solide dans votre foi au Christ. Là, de nouveau, en sent qu'à Colosse, Paul rectifie des discours ou des tentations d'obéir à d'autres injonctions qui nous arracheraient à l'évangile prêché par les proches de Paul. Poursuivez donc votre route dans le Christ tel que vous l'avez reçu. Soyez enracinés et fondés en lui. Affermis ainsi dans la foi telle qu'on vous l'a enseignée. Voilà, enracinement, fondation. On est vraiment là dans ce qui est vraiment le leitmotiv de notre foi. Enracinés, fondés en Christ, dans cette pierre d'angle. Veillez à ce que nul ne vous prenne qu'au piège d'une philosophie humaine, cette creuse du prix à l'enseigne de la tradition des hommes, des éléments du monde, et non plus du Christ, car en lui habite toute la plénitude de la divinité corporellement. Et vous vous trouvez pleinement comblé en celui qui est le chef. Donc là, à nouveau, esprit du monde, encore une fois, voilà, encore, c'est tous les chemins d'aujourd'hui, ces notions aussi, parfois vous sentez bien... Bien sûr que la foi n'est pas opposée à la raison et que parfois on a besoin de comprendre et qu'il est important de passer par tout un ensemble de courants. Sentez bien la question, à mon avis, du philosophe aussi. Le danger, c'est qu'on se met à travers des perspectives aussi, des connaissances, des compréhensions. On oublie en fait et qu'on se justifie ou qu'on se crée sa propre compréhension assez humaine et très humaine, en oubliant qu'il y a des lieux qui vont forcément nous échapper, que du coup, on ne réordonne pas cette connaissance à la présence du Seigneur. Et qu'au bout du compte, savoir des choses intellectuellement, c'est intéressant, tous les systèmes de construction, mais très humaines en fait, très 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 humains. Mais attention à ne pas absolutiser ces connaissances en relativisant la source d'où viennent ces connaissances. C'est valable pour la science aussi. Donc, je pense que Paul ne met pas en question complètement ses approches humaines, sauf que le danger est d'absolutiser ces sources philosophiques où la science, l'homme par l'homme, d'hypertrophie du mental, où on aurait la prétention de situer les choses d'un point de vue simplement humain, et donc du coup on perd l'ordonnancement à la source divine. Et là, il y a vraiment véritablement un danger de toute puissance ou de prétention à se passer de l'être qui nous fait être. Si toutes ces connaissances sont déposées aux pieds de celui qui est la source de toute connaissance, il n'y a pas de souci, tout est bien ordonné. Mais là, le problème, et là, au niveau scientifique actuellement, c'est une difficulté aujourd'hui sans doute, et tout ce qui peut être un peu ces philosophies nihilistes aujourd'hui, qu'on peut avoir, Dieu n'existe pas, c'est l'homme par l'homme, on crée des systèmes d'ordonnancement parce que tout est organisé, un homme tellement intelligent, par moi aussi, par sa pensée, mais tellement vaine en vérité. Tout s'effondre. Tout s'effondrera à un moment donné. Et Paul dit, attention, attention, redonnez à César ce qui est à César, redonnez à Dieu ce qui est à Dieu. À
absolutiser l'absolu et relativiser le relatif. Hein, c'est tout le système de pensée aussi que Paul systématiquement nous rappelle. Car en lui habite toute la plénitude de la divinité. Donc en lui, vous avez été circoncis, d'une circoncision où la main de l'homme n'est pour rien et qui vous a dépouillé finalement du corps charnel. Eh bien, cette circoncision, c'est finalement ce retrait de la peau, hein, que vous avez reçu, non pas par une opération intime, chirurgicale, petit enfant, comme peut-être certains voudraient vous le faire faire, mais c'est cette circoncision du cœur qui fait que vous êtes libéré de toutes ces vieilles peaux de votre humanité, parce que vous êtes abandonné, ouvert, fondé en Christ. Il n'y a plus de peau, il n'y a plus de tunique qui vous coupe, qui vous empêche de communier au réel. Hein, donc et donc là, puisque vous avez cru en la force de Dieu qui a ressuscité des morts Jésus-Christ, et vous qui étiez morts à cause de vos fautes et de l'incirconcision de votre chair à l'époque, revêtu de voile, Dieu vous a donné la vie avec lui dans le baptême, hein, qui a été le vôtre. Vous êtes mort, circoncis avec le Christ dans votre cœur. Rappelez-vous le sens du baptême, c'est mourir, mourir ou convertir ce qui nous tue à petit feu dans nos eaux intérieures. Pour être greffé au Christ, mourir à la mort pour ressusciter avec le Christ. C'est une expérience charnelle, intérieure. On ne donne plus autorité à la mort. À toutes ces forces de néantisation, de désespérance, de peur. Baptisé en Christ. Christ est ressuscité. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a annulé le document accusateur par rapport à la loi. Il l'a fait disparaître. Il l'a cloué à la croix. Il a dépouillé toutes les forces éventuellement qu'on aurait pu projeter sur les anges. Il les a pu, alors les anges également... des ténèbres, il les a publiquement livrés en spectacle, il les a traînés dans le cortège triomphal de la croix, donc la mort et toutes ses forces diaboliques ont été vaincues par la croix. C'est ce que nous dit Paul. Dès lors, que nul ne vous condamne pour des questions de nourriture, de boisson, d'une fête, d'une nouvelle lune, de Shabbat. On a l'impression que là, Paul rectifie les Colossiens qui se font parfois avoir par des logiques trop humaines de tradition ou de parole. Tout cela n'est que l'ombre de ce qui devait venir. Ne vous laissez pas frustrer de la victoire par des gens qui se complètent dans une forme de dévotion, dans un culte des anges. Voilà, donc c'est là qu'ils se plongent dans leur vision et leur intelligence charnelle les gonfle de chimères. Ils ne tiennent pas à la tête de qui le corps tout entier, pourvu et bien uni grâce aux articulations et ligaments, tire la croissance que Dieu lui donne. Donc là, on est vraiment dans une perspective où Paul, très clairement, dénonce des approches trop humaines, un peu de gnosis, pas de gnosis, parce que la gnose est la vraie connaissance, mais une forme de gnosticisme, peut-être de culte des anges. Justement, l'ange idolâtré au profit du Christ. Et parfois, ça peut nous menacer aujourd'hui. Vous savez, au moins l'ange, mon ange, on nomme les anges, et puis il y a toute la notion de l'ange. Mais si on s'arrête qu'aux anges, oh Dieu, par contre, pas question, les anges, c'est mon monde angélique, mais Dieu et le Christ, alors ça non. On idolâtre les anges. Les anges, le monde intermédiaire, nous invitent à nous retourner, et ils sont au service de la Trinité. Donc s'arrêter aux anges, comme s'arrêter à des saints, hein, aussi, comme parfois on s'arrête à Sainte Marie-Madeleine, ou Saint François, tous les saints, on en fait des idoles et plus des icônes qui nous font passer au-delà. Non, ce sont des leviers qui nous font cheminer dans un au-delà. L'état d'arrestation, toujours, qui nous guette, qui nous menace sur ce chemin spirituel aussi. Et on devient idolâtre et plus croyant. Et on peut s'arrêter aussi sur le personnage de Jésus. Jésus, il est l'icône du Père, et il nous reconduit au Père, c'est cette dimension, pour retrouver la filiation perdue. Et là, il y a une information nouvelle qui intervient, la notion du corps, la tête, la notion également des ligaments, des articulations, on est vraiment dans quelque chose de très anatomique, qui est là, qui sont un peu comme les ministères, qui sont les nôtres, et la croissance que Dieu lui donne. On a l'impression finalement d'un corps, une tête, un principe,
des ligaments, des articulations, telles que Paul complète aux Colossiens, et on verra que ça va encore être plus complet aux Éphésiens. Et aux Colossiens, finalement, on a une vision un peu plus complète du corps, de l'Église, avec les différents ligaments et articulations qui peuvent être voilà, les charismes, les ministères. Et ce corps-là est en croissance. Ce n'est pas un corps arrêté. C'est un corps en croissance. Et à terme, ce corps, il doit manifester la présence même du Christ. À la mesure où chacune des cellules que nous sommes, s'ouvrant de manière personnelle au Christ intérieur, les uns avec les autres, de plus en plus ensemble, on va manifester le Christ, chacun personnellement, et les uns avec les autres, collectivement. Je ne sais pas si je suis clair. La notion du Christ qui apparaît dans le cœur, au cœur de l'Église. Ça, c'est le sens de l'Église. Jésus-Christ, dont le corps apparaît à la mesure où chacun d'entre nous, comme cellule vivante du corps, nous participons à cette révélation. Ce corps en croissance, c'est une image nouvelle. Dans les Colossiens. Voilà, et là arrive ce moment magnifique, je trouve, du moment que vous êtes mort avec le Christ, donc soustrait aux éléments du monde. Pourquoi vous pliez à des règles comme si votre vie dépendait encore du monde? Quand on dit ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, par rapport à des choses, même alimentaires parfois, qui sont très rationalistes ou même très naturalistes, mais tout cela pour des choses qui se décomposent. Voilà bien des doctrines humaines. Ils ont beau faire figure de sagesse, religion personnelle, dévotion, ascèse, ils sont dénués de toute valeur et ne servent qu'à contenter la chair, c'est-à-dire l'humanité encore tellement trop personnelle. Hein, Paul y va fort, enfin, je dirais par rapport à... Et là, eh bien, du moment que vous êtes ressuscité en Christ, recherchez ce qui est d'en haut, c'est en haut qui est votre but, non sur la terre. Hein, comme s'il nous invitait... Là aussi, il n'est pas contre la matière, mais il nous invite à ne pas absolutiser la matière, mais à faire de la matière le lieu de l'avènement de la lumière, hein, du royaume. Vous êtes mort, en effet, votre vie est cachée avec le Christ, et quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui en pleine gloire. Et là, Paul, dans les versets suivants, me paraît très intéressant. C'est là maintenant, avec les Colossiens, et on verra que ça va se confirmer avec les Éphésiens, il va poser ce qui est un peu le thème de notre partage aussi, ce passage du vieil homme à l'homme nouveau. Faites donc mourir ce qui en vous appartient au vieil homme. Débauche, impureté, passion, désir désorienté, cupidité, avidité, toute forme d'idolâtrie, d'attachement aussi peut-être... maladif, parfois possessif, hein, vous sentez bien. Tout ce qui signe finalement une espèce de processus égocentré, de survie, de crispation, d'enfermement, de toute puissance par moment, parce qu'en vérité, derrière ça, il y a la peur. Et là, et ça, ça attire les conséquences aussi. Hein, quand Paul parle de la colère de Dieu, c'est on va donc vivre, tant qu'on reste là, on continue à vivre les conséquences. Malheureuse, je dirais, d'un choix de vie ancré encore trop dans la matière, coupé de l'esprit. Voilà ce qui était autrefois votre vie. Maintenant, débarrassez-vous de tout cela. Colère, irritation, méchanceté, injure, grossièreté, sortie de vos lèvres, plus de mensonges entre vous, car vous vous êtes dépouillé du vieil homme avec ses pratiques et vous avez revêtu l'homme nouveau. Voilà. Là, on est dans une des grandes paroles, une des grandes thématiques de Paul. L'avènement de l'homme nouveau. Celui qui, l'homme nouveau, pour accéder à la connaissance, ne cesse d'être renouvelé à l'image de son Créateur. Donc là, on a la sensation qu'à travers... Qu'est-ce que c'est que le nouvel homme? C'est le vieil homme, on pourrait dire, mais littéralement transformé, sans arrêt par l'œuvre de l'Esprit Saint, et qui fait que progressivement, l'homme que nous sommes, créé à l'image de Dieu, retrouve la beauté et, je dirais, la pureté et la beauté de cette image déposée en chacun d'entre nous. Comme si finalement, de moins en moins, on fonctionne à partir de l'être égocentré et tous ces processus qui l'accompagnent, qui sont des blessures, des lieux de... pour que dans une espèce
est en fait fondée profondément, vous le savez, on le sait psychologiquement, par toutes les conséquences de blessures d'amour, de traumas vécus, et donc fondamentalement d'insécurité. Insécurité existentielle, profonde, qui nous habite. Et on met en place des systèmes pour combler et pour sécuriser l'insécurité à travers des processus de gavage ou de remplissage par des réalités relatives qui jamais ne combleront l'insécurité. Jusqu'à ce qu'on découvre, c'est ça la question, c'est qu'au-delà de cette terre d'insécurité, il y a quelqu'un qui nous attend. Une terre immensément sécure. C'est la présence du Christ. En chacun d'entre nous. Et quand nous contactons cette terre de la présence du Seigneur, cette terre hautement sécure, c'est quelque chose de très important de notre vie. Toutes formes d'insécurité vont être relativisées. Je ne dis pas que ça va disparaître, mais ça va être beaucoup plus tranquille. Quoi qu'il se passe, il y a la sensation d'être étayé, descendu dans ce lieu, plus profond que toutes les insécurités psychiques dont on pouvait encore être là, ben, dépositaire, plus profond que tout cela. Le Christ. Le cristal, le cristallin, le Christ, la pierre d'angle. Jésus, le Christ. Toi, tu es ma sécurité. C'est toi, ma terre sécuritaire. Avec toi, en toi, par toi. Tout est possible. C'est vraiment ce renouvellement, hein, à l'image de son Créateur. Là, dans ce lieu-là, il n'y a plus ni grec, ni juif, circoncis, incirconcis, barbare, scythe, esclave, homme libre. Mais Christ, il est tout en tous. C'est énorme ce chemin que nous propose Paul. Hein. C'est ce chemin d'individuation, hein, qui vraiment nous fait traverser toutes les couches d'humanité, sans aucun jugement sur ces couches. C'est un constat presque clinique, on pourrait dire. De tous ces lieux noués, de tous ces lieux qui font comme ils peuvent pour essayer tant bien que mal de répondre à une espèce d'insécurité profonde déposée en chacun d'entre nous, mais qui n'est pas vraiment la terre la plus profonde. La terre la plus profonde, au-delà de ça, c'est en Marie la présence du Christ. Le Christ. C'est pour ça qu'il nous faut traverser, à travers les événements qui sont les nôtres, en tout cas la vie nous propose de traverser le vivant, ces différentes expériences, pour que plongeant de terre en terre, nous puissions à un moment donné, de plus en plus, nous départir de tous ces lieux d'insécurité, puis vous savez bien comment ces lieux de la sécurité, on les comble aussi en nous appuyant sur des objets extérieurs qui vont nous sécuriser, qui vont... Oh, là, ça va, je peux compter, c'est solide. Jusqu'à ce qu'on découvre que oh, c'est tellement pas solide à l'extérieur. Enfin, qui que ce soit, homme, situation, événement, argent, reconnaissance, pff, rien pourra sécuriser. Rien ne pourra sécuriser cette soif d'infini qui nous habite, qui nous fonde. Seul l'infini. Et Dieu sait bien que rien ne pourra nous combler. Et il attend qu'on aille jusqu'au bout de l'histoire pour qu'on puisse consentir enfin à marcher sans appui extérieur. Parce qu'on est rentré chez soi et qu'on a retrouvé l'appui absolu intérieur. Le Christ intérieur. C'est vraiment tout ce déplacement, que ce passage de vieil homme à l'homme nouveau, hein, chose de cet ordre-là. Donc, puisque vous êtes élus, sanctifiés, aimés par Dieu, donc là après il rentre, revêtez donc des sentiments de compassion, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un grief contre l'autre, pardonnez-vous mutuellement, donc tout un ensemble de choses. Par-dessus tout, revêtez l'amour, c'est le lien parfait. Que règne en vos cœurs la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés, vivez dans la reconnaissance. Que la parole du Christ habite parmi vous, dans toute sa richesse. Instruisez-vous, avertissez-vous les uns les autres. Chantez à Dieu dans vos cœurs, votre reconnaissance par des psaumes, des hymnes, des chants inspirés par l'Esprit. Chanter, louer, hein, vraiment dans tout cet exercice de la louange,
Tout ce que vous pouvez faire ou dire, faites-le au nom de Jésus-Christ, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Et là donc, va arriver un petit chapitre où du coup, dans cet réordonnancement des relations, ou de cet ordre, Paul va rejoindre trois notions de relations, la relation époux-épouse, enfant-parent et esclave-maître. Et là, en signifiant aussi ce qui était dans la société patriarcale de l'époque, les contingents, et donc malheureusement on retrouve « épouse, soyez soumise à vos maris », mais « mari, aimez vos femmes ». C'est-à-dire qu'on a la sensation qu'en même temps Paul fait état des situations, je dirais, patriarcales de l'époque, qui ne remet pas en question, et pourtant, on l'a vu déjà aussi aux Corinthiens, comment il va aussi prôner l'altérité et la complémentarité, ça serait à approfondir. C'est vrai que là, cette notion donc de revisiter tout ce contexte, c'est vrai que c'est difficile encore aujourd'hui très clairement à entendre, donc peut-être dans cette notion de soumission. Alors ça, il faudrait vraiment entendre aussi cette notion, on l'avait abordée avec l'épître, je dirais, aux Corinthiens, cette notion d'explication culturelle, c'est pas du tout la réalité forcément qui peut être aujourd'hui demandée. En tout cas, culturellement, il y a 2000 ans, c'était un peu le fondement, je dirais, théologique aussi et culturel, tradition juive et gréco-romaine. Donc c'est à partir de cela, encore une fois, que Paul part du principe qui est là, donc religieux et sociétal, entre maître et esclave aussi, et qu'en même temps, il nous invite à entendre aussi la loi du royaume et en Église, et où là c'est altérité, ni homme ni femme, au-delà de l'homme et de la femme, il y a des personnes qui se rencontrent, et où là il n'y a pas de soumission, enfin, je ne sais pas comment dire. C'est à la fois de tenir ensemble les deux niveaux, je dirais, sociétal, patriarcal, et puis en Christ, dans l'Église. Et c'est là où ça devient quelque chose de pas évident, mais il propose un chemin en termes d'éthique de responsabilité. De même, enfants, obéissez en tout à vos parents. Voilà ce que le Seigneur attend de vous. Et parents, n'exaspérez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Donc là aussi, il y a des règles, des codes au niveau de la société il y a 2000 ans, encore bien sûr pour certains aujourd'hui, mais en même temps, un devoir les uns et les autres, dans cette présence du Christ. Esclaves, obéissez en tout à vos maîtres. Donc de nouveau, Paul ne remet pas en question, on l'a vu avec Philémon et Onésime, servez-les, et en même temps, pas comme si vous cherchiez à plaire aux hommes, mais avec la simplicité de cœur et ceux qui craignent le Seigneur. Quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur, pour le Seigneur, pas pour les hommes. Donc déplacez-vous, en fait. Déplacez-vous à travers les contingences sociétales. Comme si quelque part, Paul, à travers cela, allait proposer une espèce de christianisation de nos systèmes politiques, de nos relations sociétales et politiques à l'époque. Comment il va inviter à les christianiser? Voilà, il ne peut pas remettre en question totalement, parce que ça serait trop difficile et compliqué pour les communautés, ça pourrait trop les marginaliser, ça serait trop violent. Et en même temps, il va les christianiser en y instillant ou en y proposant, je dirais, cet esprit, de complémentarité vocationnelle en Christ, qui est là. Et là, du coup, il dira aussi, le maître, c'est le Christ, donc vous êtes à son service. Et là, maître, traitez vos esclaves aussi avec justice et équité. Donc toujours cette notion, en partant de ce système qui est là à l'époque culturelle, il y a 2000 ans, comment il va chercher à Paul, à travers les contingences maintenant, il n'y a ni esclave, ni maître, ni juif, ni homme, ni femme, ni juif, comment il propose de déplacer et de tenir ensemble. Et là, il invite chacun et chacune à tenir ensemble et à articuler ces deux niveaux de compréhension de relationnel, en réordonnant la dimension sociétale à la dimension relationnelle. Tout à l'heure, on l'a un petit peu abordé avec l'épître à Philémon, tout cet enjeu sociétal, en introduisant le grand troisième. Puis après, donc, il finit par des injonctions, on va clôturer par là. Tenez-vous à la prière. Qu'elle vous garde sur le qui-vive. D'être des sentinelles, rappelez-vous, c'est toute l'approche sentinelle du sanctuaire intérieur. En même temps, priez aussi pour nous, que Dieu ouvre une porte à notre prédication, afin que l'annonce que j'annonce, le mystère du Christ,
pour lequel je suis en prison. Dans de nouveau Colossiens, épître de la captivité, on l'a donc abordé. Voilà, trouver la juste attitude à l'égard des non-chrétiens, donc là c'est intéressant également dans la relation, saisissez l'occasion que vos propos soient toujours bienveillants, relevés de sel. C'est intéressant, le sel c'est à la fois le symbole de la sagesse divine, et le sel c'est ce qui donne le goût. Donc, par vos paroles, donnez le goût à la présence. N'imposez rien, donnez le goût, le bon goût de la présence, pour que les êtres puissent être interpellés et peut-être s'interroger sur leur propre pratique, avec l'art de répondre à chacun comme il faut. Et là, en ce qui concerne ma situation, vous aurez toutes les nouvelles par Tychique, le frère que j'aime, le ministre fidèle, mon compagnon. Je vous l'envoie tout exprès pour vous donner de nos nouvelles et vous réconforter. Et Onésime, Onésime, l'utile, celui dont on a parlé tout à l'heure dans l'épître à Philémon, le revoilà à Colossiens. C'est pour ça qu'il y a vraiment une cohérence de ces épîtres, Philémon, Colossiens. Onésime, ce frère fidèle et très cher, l'accompagne. Donc il est des vôtres. Donc très clairement, Onésime appartient à Colosse, cette ville pas très loin de Laodicée et d'Éphèse. Donc dans cette, ils vous mettront au courant. Et là, on retrouve exactement les mêmes prénoms qui concluaient l'épître à Philémon. Vous avez les salutations d'Aristarque, qui est en prison avec moi, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas. Donc Marc, celui qui paraît être l'auteur de l'évangile de Marc, qui s'appelait Jean, Jean-Marc, était donc un jeune homme donc, qui avait accompagné Paul et Barnabé lors de la première mission, voyage missionnaire à Chypre. C'est le cousin de Barnabé. Et puis apparemment, un événement qui n'est pas mentionné, mais Marc, un petit peu après, toujours dans la première voyage missionnaire, va se séparer de Barnabé et Paul. C'est pour ça qu'à un moment donné, Paul ne voudra pas reprendre Marc, voilà, ça va se séparer avec Barnabé. En tout cas, Marc, le revoilà. Vous avez reçu des instructions à son sujet. Vraiment, accueillez-le. Vous avez également, voilà, donc, également des salutations de Justus. Vous avez également les salutations d'Épaphras, ce serviteur. Je lui rends ce témoignage qui se donne beaucoup de peine pour vous, pour ceux de Laodicée et de Hierapolis. Et vous avez les salutations de Luc, notre ami le médecin. Et donc c'est là, aux Colossiens, qu'on apprend pour la première fois que Luc est médecin. Donc médecin proche de Paul et de Démas. Donc ces noms concluaient aussi l'épître à Philémon. On sent vraiment la complémentarité et là on dit, quand vous aurez lu ma lettre, transmettez-la à l'église de Laodicée, qu'elle la lise à son tour, et lisez de votre côté celle qui viendra de Laodicée. On a l'impression qu'il y a des lettres qu'on a perdues de saint Paul. On n'a pas la lettre de saint Paul à Laodicée, et donc on a l'impression que chaque église locale était invité à transmettre la lettre pour d'autres communautés, qui avaient donc des missives, des informations qui circulaient comme ça, comme un maillage d'églises, de communautés, qui recevaient les unes les autres des informations de Paul, et envoyaient donc à différentes... voilà. Enfin, dites à Archip, qui était là aussi avec l'épître à Philémon, veille au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, tâche de bien l'accomplir. Et ça conclut, la salutation de ma main, à moi, Paul, la voici, souvenez-vous de mes chaînes, la grâce soit avec vous. Donc Paul, qui signe donc, encore une fois, ses options, c'est vraiment Paul, qui l'a signé en prison, un peu avant de mourir, 60-62, à Rome, ou bien, hypothèse partagée par certains exégètes aussi, peut-être dans la majorité aujourd'hui, d'un texte d'une école post-paulinienne, en fait, dans les années 70-80, donc 20 ans après Rome et avec les catastrophes du temple de Jérusalem, et que là, pour densifier les communautés, eh bien, un ensemble d'écrivains repense
ou je dirais resynthétise la pensée de Paul, de manière très, très brillante en fait, hein. Donc si ce n'est pas Paul qui l'a écrit, c'est en replongeant vraiment dans la pensée de Paul, et nous propose un texte qui donc du coup serait à déplacer dans l'histoire d'une vingtaine d'années, 20 à 25 ans, hein. Certains disent 70, hein. Là on n'a aucune indication pour l'instant exactement de savoir ce qui s'est passé vraiment, hein. Donc ça reste un peu incertain au niveau de la provenance de... Voilà, de ces épîtres. En tout cas, nous continuerons hein, ces épîtres donc, la semaine prochaine, donc la cinquième étape de notre pèlerinage, là en rejoignant l'épître aux Éphésiens qui est vraiment je dirais, l'approfondissement, le déploiement hein, de cet épître aux Colossiens, hein, qui est une merveille. Hein. Pour certains, c'est vraiment l'épître la plus accomplie hein, de saint Paul. Voilà. Donc, avec voilà, toujours les bémols des interprétations et des logiques d'authenticité historique hein, qu'on a posées. Enfin, je propose simplement, peut-être pour conclure, un petit temps de silence, hein, un petit temps de silence, hein, quelques minutes. Quelques instants, simplement pour déposer, pour...